On est au quai municipal de West Palm Beach. Comme David dirait, il n'y a rien qui bat la gratuité. Ici, c'est gratuit pour mettre le dinghy. Donc, on a vu une pancarte, par contre, qui dit que les vaisseaux n'ont pas le droit d'y aller, que c'est pas ouvert au public. Mais il y a des bateaux qui sont ici, qui étaient là hier, qui sont encore ici. Fait que je pense pas que ça dérange bien, bien. Puis on est directement dans le temps. On est directement au centre-ville. Il y a plein de choses accessibles à pied. Donc, on va faire des petites commissions aujourd'hui. La seule chose, c'est qu'on s'est fait dire qu'on était mieux de barrer le dinghy. Donc, pour la première fois depuis notre voyage, on le barre ici, à ce quai ici, on a décidé de le barrer. La chose est bien importante, c'est t'assurer que ton cadenas fonctionne puis que tu as la clé pour ton cadenas. Si on était très mal pris, c'était plus capable de débarrer. Ton cadenas est en bonne fonction parce que souvent, sud, là, ça rouille facilement les cadenas. Amenez-vous beaucoup de cadenas? Beaucoup de glace pair. Ce que je voulais dire tantôt, je peux me permettre de le dire parce que il est anglais, mais il y a vraiment quelqu'un qui dort dans le dinghy, qui vit dans le dinghy. Il y a eu des problèmes avec son bateau, à faire venir son bateau qui disait aux États-Unis quelque chose comme ça, là, mais il y a vraiment quelqu'un dans la petite tente, dans le dinghy. Il y en a qui se plaignent que leurs bateaux sont pas assez grands et qu'ils manquent d'espace pour vivre dedans. Il a pas l'air à se plaindre, hein? Il a l'air bien content. Il fait chaud, il fait beau. Tu sais, quand tu penses à ça, là, c'est la première fois de toute ma vie que j'ai passé une année sans hiver. Ouais, c'était dispensé, ça. Ici, c'est un beau quartier, mais pour se rendre ici, il faut passer par des quartiers qui sont un petit peu moins beaux de West Palm Beach.
c'est la deuxième fois qu'on vient à West Palm Beach, puis c'est la deuxième fois qu'on se retrouve dans des quartiers que je trippe pas pantoute. C'est des quartiers avec des pas fins, on dirait. Puis ici, on a le droit au port d'armes, puis tout. Fait que ça porte à réfléchir quand tu passes dans un quartier que t'es moins sûr ou que tu te sens en minorité, mettons, tu sais. On est revenu de la ville, de notre petite promenade en ville. On a fait des petits athlètes, on est allé au TJ Maxx. Ensuite de ça, c'est quoi qu'on a fait après ça? On courait après de la litière à chat. Parce que là, on voulait tester un nouveau système. Finalement, on a changé d'idée. Puis là, ben, on a changé le bac aussi. Fait que finalement, c'est ça, gros shopping de Minou aujourd'hui. On vient d'arriver, il est 3h30, mais la journée, elle s'arrête pas là parce que là, ben, il fait super chaud, c'est super humide, mais on a commencé les projets qu'il faut terminer. Donc, on est en train d'attaquer le reste du sablage de notre teak. On le voit bien. Sur celui-là ici, on a appliqué le décapant. On attend que ça agisse à peu près une demi-heure. Après ça, on va gratter. On a fait la même chose sur l'autre banc. David est en train de sabler les bords dans l'entrée, finalement. Ceux-là, ils vont être prêts à huiler aujourd'hui, je crois. Parce que c'est dur à dire, parce qu'à tous les après-midi en Floride, ils appellent ça des « thunderstorm afternoon ». Afternoon thunderstorm, en tout cas. Puis c'est vrai, il y a toujours de la pluie dans l'après-midi, ça dure jamais longtemps, il y a toujours des gros nuages noirs. En tout cas, depuis qu'on est arrivé, c'est comme ça. À toutes les après-midi, il annonce de la pluie, soit qu'il mouille, soit qu'il mouille pas, là, mais il en annonce du moins à tous les jours. Puis là, ben, c'est noir. Donc, peut-être qu'il va avoir de la pluie, peut-être pas. Donc, on sait pas encore si on va réussir à huiler aujourd'hui, mais ça, c'est pas plus grave, c'est comme la dernière étape. Fait que ça nous dérange pas bien, on n'est pas pressé. Le décapage, c'est ça le plus long puis le plus plate à faire, sabler aussi. Donc, ça, il y en a encore pour une couple d'heures. Peux-tu m'aider à la place? Je vais essuyer. Je vais essuyer avec ton beau poil, la poussière de sablage. Ce qui est le fun, c'est que t'es pas dans les jambes du tout, là. Un paquet de barbottes.